Salut YouTube, bienvenue Alberto! dans un nouvel épisode de Gears of War 5. On est toujours en présence d'Iradeus. On a baissé le pont, on va casser les bouches, mais c'est parti! Oh merde! Allez, Delta, on a... Et hop! Oh putain, le mec il meurt. Non mais mais en plus il est vraiment mort. Je vois Black Cube qui part en live. Ouais ouais, c'est ça, casse-toi. Faux viewer. Bibi quoi? Oh. Ah. On a un fauve. Ah! Mais putain, mais c'est qui me tire dessus? Ah! Dessus? Ah! Voilà, donnez-moi vos lanzor. Trop dire Lord, il s'est fait sécher. J'en ai plein le cul. Est-ce que tu vois le moment où ma charge s'est arrêtée et elle a jamais recommencé? Bah oui, non mais c'est ça qui m'avait tué le mec jour. Qui... Putain, il... Et hop! Allez, Delta, on arrose! Et hop! Ah! On a un fond! Hein? Mais. Sur la caméra, tout pile au moment où il va se faire découper. Ouais, 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 c'était beau ça! Il joue, il joue, il joue. Là-bas, des drones. Mais... Il bourre. Allez. La vengeance! La vengeance! Pourchouille! Donnez-moi vos lanceurs! Lui! Oh putain, il sort du sol, spawn kill. T'as pas vu? J'ai vu. Pas vu. C'était le dernier. C'est bon. Donnez-moi vos lanceurs! Adrien! Revenez au hangar dès que vous pouvez. Hey Kate, attends. Les nomades, ils ont pris beaucoup de risques pour nous. On devrait peut-être en faire un peu plus pour eux. Ça vaut le coup d'y penser. Alors dilemme, est-ce qu'on aide les nomades ou pas? Non. C'est par où? Pas par là. Personne n'est surpris par la taille de cette fusée. Elle est énorme. Massive.
pour encaisser la traînée atmosphérique. J'en ai un coefficient balistique dans ma énorme fusée. D'où la taille. Bon. Qu'est-ce que ça fait de savoir autant de choses dont personne n'a rien à foutre? C'est ça, complète-toi dans ton ignorance. C'est pas mon problème. C'est pas là. On est d'accord. Merci. C'est pas là non plus. C'est par où? J'ai pas d'objectif. Si? Ah ouais. Alors attends, qu'est-ce qui se passe ici normalement? Qu'est-ce que je suis fou? Non, j'ai cru voir des trucs. Faut que tu me préviennes à ce moment-là, hein, parce que l'hôpital va pas venir te chercher tout seul. Pourquoi c'était marrant? Mais on est déjà venu ici. Pourquoi c'est... Ah mon dieu du cul. Là, là on voit les gens qui suivent l'histoire, le lore, tout ça, tout ça. On avait une tête de roquette dans un bâtiment. On avait une roquette dans un autre bâtiment. Maintenant, le but c'est de faire Now Kiss. Et on a une roquette entière, tu vois. Tu comprends? C'est un peu comme, comme des meubles Ikea, tu vois. Assembly needed, tu vois. Bah là, c'est pareil. Si on nous a filé une roquette en kit. Ne pas confondre avec kit dans K2000. Mais c'est nul. Bah oui. Pourquoi les roquettes, elles viennent pas en un bloc? Et parce qu'on est on est la version Ikea de, du monde de Gears of War, là. Vice, il doit trouver ça transcendant. Parce que Vice, oui. Depuis le 1 et... Oui. Vice, il trouve ce jeu passionnant et il arrête pas de whiner depuis le 1. Le passion du game. Et là, tu vas te faire signet parce que t'as osé dire que... J'ai osé. Ah ouais, mais comment ose-t-il? Tu parles pour moi. Tellement que je vais me coucher car je pique du nez. Mais tu piques quoi? Du fromage. Ah putain, je sais. Bonne nuit, dors bien. Bonne nuit, bonne nuit. Allez appuyer sur le bouton, voyez quoi va passer. Da. Si vous mourir, et bah... Et bah blablabla, voilà. Bah blablabla. Ah... C'est ma zone préférée. Et là, un brumac. Il y a des tabourets à côté. Niquez-vous ces tabourets. Après, on pourrait faire la même chose en vrai, mais dans les jeux vidéo, c'est tellement plus marrant. Bizarrement. Ouais. Et puis, si tu fais ça en, dans la vraie vie, genre si moi je fais ça au boulot, les gens ils risqueraient de me regarder de travers, tu sais. Tu verrais juste un connard qui pique dans un tabouret, genre oh, meurs le tabouret. Tu pousses même plus les tabourets, tu mets pas des kicks ou quoi que ce soit, c'est... tu marches comme s'ils étaient pas là, quoi. Ouais. Et ça, c'est beau. Putain, il est pas gentil, quand même. Bah ouais, bah c'est Vice, hein. Vice n'est pas gentil. J'espère pas faire de cauchemar. Et là, un brumac. Y'a un écumeur ici. Ah non. Tu sais que le coup du Bromac, tu l'as fait 15 fois au moins là déjà. Hein. Sale connard. Et qu'il n'y a jamais eu de Bromac. On en a rien à foutre. On doit remettre cette coiffe en place. On doit remettre cette coiffe en place. Tu as entendu Big Jack? On doit remettre la coiffe en place. Oui. Bon. Merde. Ah, y'en a deux. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais. Shit! Je vais prendre tous les risques pour sauver mon squad. Il a vomi dessus. Yeah.
Ils sont passés où? Ah! Mais putain, mais arrête de me gerber dessus, espèce de. Gros dégueule. Oh mon. Je pense que je vais bientôt mourir si je fais pas attention. Oh! Là, moi je me solo le mien de mon côté quoi. Oh bah je fais pareil hein. Et hop, il est mort. Je fais pareil mais avec deux bots. J'aimerais bien savoir ils sont les bots mais ils sont pas avec moi hein. Bah ils sont juste à côté. Oh putain, oh putain, oh putain. Non, je peux te confirmer que j'ai juste Jack hein. Bah je les vois sur la map mec. Ah bah peut-être que tu les vois sur la map mais ils sont pas avec moi hein. C'est-à-dire que s'ils sont pas avec toi, ils sont contre toi. Exactement, il y a trois sions quand même hein. Easy. Attention à l'explosion. Sinon t'as Jack et tu peux mind control. Moi je mind control pas, y'a jamais eu ça dans les guides, on a pas besoin de ça maintenant. Oh putain de. Ah. T'en venais de passer le plus dur et le mec il meurt comme un caca. Enfin j'ai été sandwich par deux soins avec des lance-missiles. Ah j'ai tellement kiffé. T'as esquivé dans la non-cover quoi. Il y avait 10 000 endroits où tu pouvais aller mais c'était dans la non-cover que t'es allé et ça c'est beau. Tu vois ça me parle, ça c'est ça m'inspire. Ah merde. Ah merde. Mais putain! Mais. Attention à l'explosion! Wow! Eh bien, putain, j'ai failli prendre cher, moi. Bloquez-vous. Mais ils arrêtent de vouloir tous me vomir dessus là. Quoi ces histoires? C'est qui est au sol? C'est pour moi. Oh, putain, mais faut aller le sauver. Bah c'est ce que j'ai. Ouais c'est ça. T'as essayé de le sauver depuis la terrasse à l'étage c'est ça? Bah non, je suis à côté de toi connard. Oui maintenant oui parce que je suis remonté. Mais ils sont tous morts en fait. Mais... Te mets pas devant moi. Spoumé. Voilà, Jack, cherche. Va chercher. On peut pas mind control l'écumeur. Non, bah non, ça serait trop simple. Oh bah je sais pas moi. On peut pas mind control le brumac. Bah ouais, pourquoi pas. Ce serait tellement bien. J'ai plus de balles là. Seulement pour ça il faudrait qu'il y ait un brumac. Des munitions, please. Tire en cours. Pouf. Alors rien à foutre de tout ça, moi je veux des munitions bordel. Je suis à sec. À sick. Sick. Je tire à blanc. Des munitions. Tu en cours. Remettons la coiffe en place avant qu'il en non.
Bon. C'est bon, les affaires reprennent. Montez sur la fusée, elle vous emmènera sur l'air de l'an... Ah merde, non, c'était celle-là, la phase RNG, putain, je me suis loupé. Ah, dear lord. Non, pas du tout. Non, celle-là, en fait, alors attends, que je me rappelle bien. Je crois que si tu restes à couvert, t'es plus ou moins safe. Mm-hmm. Je le crois. Oui, c'est ça. Je crois. Rejetons en approche. Tirez de la fusée. Ouais, c'est ça. Parce que j'aime bien, c'est la logique du... C'est un truc qui est censé aller dans l'espace avec de l'essence dedans et tout, mais s'il y a des explosions dessus et si on tire dessus, ça pose pas de problème. Ah ouais. Et ça, moi je trouve ça merveilleux. Pourquoi ça poserait problème? Je sais pas. Physics and shit. Mais non. Jack, rapport. C'est bon. Ils sont morts. Ah, Jack qui ramène des grenades. That's a big ass tank. Ok, c'est bon. Franchement, d'après nos standards, ça s'est passé sans tour. Face derrière toi. Putain. Face. Merci. Merci mec. Mais j'ai pas à me relever, bande de connards. Mais c'est exactement ça qu'il fait. Je te rappelle juste que je suis suspendu au cul d'un putain de train. Oh ouais, bien sûr, pardon. Oh putain. Ouais. Moi je suis trop déçu hein, parce que depuis qu'on te parle d'un train, moi je pensais que ça allait faire comme à la fin du premier Gears of War et qu'on allait avoir une belle scène avec un train, tu vois. Ah, oh. Et en fait. Ah non. Oh non. Je savais qu'il y avait des vers géants dans le jeu. Des quoi? Des vers géants. Y'a pas de vers dans le jeu. Mais si. Ok, fusée livrée. Il y en position. Manuellement, apparemment. Ça veut dire qu'on doit trouver la salle de contrôle. Ouais. Et initier le lancement. Je peux. Et revenir à la base. Oh, bordel. Je pensais pas que ça demanderait autant d'efforts de traîner avec vous. D'accord. Eh ben. On voit que quand l'URI a conçu cette salle, elle avait pas prévu l'interface de Jack. Allez, Jack, vas-y! Fais pas ton timide! Ok. C'est bien ce qui est censé se passer, hein? Ouais, mais ça veut pas dire que c'est pas bizarre. Merci! Ouais, carrément. Et voilà! Notre fusée est redressée. Paduk! On aurait besoin d'un interprète. Attendez, vous avez initié le lancement? Peut-être. Alors foutez le camp d'ici, vite! C'est le mode fuite qui se déclenche alors à présent. Par ici, les gars. La caméra. Non. Ah. Allez, vite!
très très fort. Hein. Oui. Je confirme. Qui s'ouvre, tirez là-dessus! Super! Les ouvertures sont pleines de sangsues! Là! La cible s'ouvre! Aïe, j'ai failli crever. Il va nous écraser. Il y a des salopes partout. Oh, oh MG, mais est-ce que c'est parce que je suis noir ou quoi là? Putain, je dirais plus jamais que, qu'ils abusent, hein. Putain, j'en prends tellement pour ma gueule, quoi. Voilà. Ils ont 4 mets de choix et ils choisissent le plus grillé de tous, quoi. Terrible. Je veux bien, mais il a pas de balls. Oh. Ce qui est rigolo, c'est que ces gros trucs là immenses, ils ont toujours des points faibles vénères. Oui. C'est rigolo. Je ne me rappelle pas. Ah, tu vois, ça c'est parce que t'as pas pris. T'as pas mangé de petit beurre. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû. J'aurais demandé du sponsoring à lui. Tu vois, c'est une super bonne idée, moi. Ouais, comme ça j'aurais un placage tout au-dessus sponsorisé par lui qui fait la moitié de l'écran. Genre. T'aurais juste besoin de le marquer en bas dans le titre et tu le diras au début stream, quoi. Godzilla. Godzilla. Repoussez-les. On est coincé avec ce truc. On doit trouver une sortie. Oh. Ah non. Il m'a raté, mais pas grand chose, hein. Lang, on tire sur sa langue. Non. Ah.
Il a chopé pas. Non, il est en train de manger ses bouts de langue en plus, c'est dégueulasse. C'est pour en produire d'autres, c'est pour ça. Non. Il a chopé quelqu'un, visez la langue. Oh merde. Ah putain. Il faut pas m'aider. Ah, aidez-moi. Ah. Je suis obligé d'aider toute l'équipe, c'est terrible ça. Je peux pas fermer sa gueule à mon pot là. Non, en vrai, on serait déjà mort là avec le truc de la fusée. Hein. Mais c'est pas grave. Quoi? C'est quoi ce bordel? Mais c'est parce que t'avances trop vite. Bah quoi, j'avance, please. Bah oui, mais le problème c'est comme j'ai un léger retard, en fait je prends toutes les explosions et les flammes derrière. Et heureusement qu'il y a Jack et son putain de pouvoir parce que tu t'es même pas retourné quoi. Non. On finira par le savoir. On n'y arrivera pas. Allez les enfants, tous dans le cœur scolaire. Voilà pas du. Allez, dépêchez-vous. Merde. Allez, je vais encore devoir te sauver, on dirait. Attends, tu comptes les points? On décolle! Moi, ce que j'aime bien quand même, c'est que si tu te rappelles, on t'a dit oh, là, les hélicos, vous pouvez pas, blablabla. Ouais. Bam, hélico. Ouais, mais tu vois, c'est ça, ou alors les héros du jeu ils meurent. Tout ça pour ça? Ah, mais elle sert à rien en fait là. Beau pays. Il m'a flingué les vertèbres. Alors voilà la nouvelle Ephira. Bonsoir Explocao. Yo. Dommage, ça arrive en fin de stream, c'est ouais, triste. Ouais. Et aussi de la bonne bouffe, de l'eau propre et des douches. Ah, c'est surfait tout ça. Bienvenue à la maison, Delta. Passez me voir à l'atelier tout de suite. Je vais envoyer quelqu'un pour les balises. Bien reçu, Bird. On arrive. Après vous. Eh. Au fait, merci beaucoup. Oh, inutile de me remercier. Oh, le groupe s'est reformé, ça y est? Vous voulez que je prenne une petite photo souvenir? T'es
C'est vraiment trop con. Non, oh, tu peux arrêter de me faire du gringue. Sérieusement, ça devient. Comment allez-vous? Eh bien, écoute. Où on en est? C'est la maladie. Les satellites sont reliés? Ouais. Ils sont. Ouais, donc il va bien en fait, comme d'hab. Ouais. Ok, les enfants, approchez-vous. Ok, les enfants, maintenant, j'aime bien, ils s'assoient comme des enfants. Observez. Même Marcus, il est assis comme un enfant. Ouais, belle démo, Baird, mais ça va marcher? Pour savoir ça, on doit faire un tir d'essai. Oublie le tir d'essai, mon gars. C'est une vraie cible qu'il nous faut. Si on choisit une cible, ça devrait pas être en présence d'une vraie autorité militaire? C'est face, c'est ça? Oui, monsieur. Alors ferme-la, face. La vermine à sa reine. Ça veut dire qu'ils ont une ruche spéciale quelque part. Un nexus. Un endroit où ils sont vulnérables. D'accord. Et comment on le trouve? Pas besoin. Parce que toi, tu sais peut-être déjà où il est. Comment je le saurais? Écoute, je vais être franc avec toi. Pendant ton absence, Jean a fait des pieds et des mains pour qu'on essaie de te reconnecter à l'esprit de la ruche. Attends un peu, quoi? Ça va, t'inquiète pas, je l'en ai dissuadé. Mais j'ai besoin que tu repenses à ce que tu as aperçu dans cette vision. Le moindre détail. Y a quelque chose qui pourrait nous aider? Non. Enfin, non, pas que je sache. On va prendre la relève, sergent. Excusez-moi, vous ne faites jamais toc-toc? Les premiers ministres n'ont pas besoin de frapper. Mais faites comme c'est. Salope! Écoutez-moi bien, ça n'arrivera jamais. Et qu'en pensez-vous? Étant donné que la chose qui me liait à l'esprit de la ruche est morte, on l'a tuée d'ailleurs, ne nous remerciez pas. Et vu que je ne vous fais absolument pas confiance, je vais devoir décliner. Arrêtez-la. Salope! Jean, vous êtes folle? Madame. Iris, qu'est-ce qui se passe? Multiples intrusions ennemies. Ruines de la vieille Ephira. Caméra extérieure 16. Caméra extérieure 15. Caméra 10. Oh, fais chier! Ils sont là. Alors on y va tout de suite. Oh, c'est bon, j'ai compris. Vous pouvez mettre fin à tout ça. C'est vrai? Et qu'est-ce que vous croyez que j'ai foutu pendant tout ce temps? Salope. Delta, rassemblez-vous. Ah. Dites-moi qu'on a un plan. C'est le cas. T'as vu, il est vivant. Non, sans déconner. C'est pour l'instant. Nous les avons ramenés de l'Asgard. Inutile de s'énerver, lieutenant. Je ne fais qu'en dire. Tout ça pour dire qu'on va les placer un peu partout dans la vieille ville. Qui joue qui? Moi, je joue le personnage principal et Radu joue le personnage secondaire. Où est-ce qu'on la place, notre balise? Un des personnages secondaires, du coup. Ouais. Quand elle sera en place, vous aurez une fenêtre de tir avec le rayon. Et vous pourrez riposter. C'est bon? Ouais. Bon, je vais pas vous mentir. C'est un vrai carnage dehors. Alors on surveille nos arrières. Comme d'habitude. Il a trop bien ce Gears. Ouais, il est sympa, ouais. Et il est surtout fini pour ce soir. Exactement. YouTube, merci d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve dans le prochain. Salut.